Sur le rond-point de la croisière, côté Haute-Vienne, le campement avait été rapidement monté à partir du 17 novembre dernier, date du démarrage du mouvement des Gilets jaunes. Depuis, plusieurs personnes se sont relayées chaque jour pour tenir ce carrefour très fréquenté. À l'heure du démontage, certains ressentent un peu de tristesse et d'amertume. Ça fait mal au cœur, parce qu'on était bien quand même, ici. On dormait pas ici, mais enfin bon, on était bien. Voilà, puis on est tous ensemble, c'est la solidarité. On va continuer, voilà, jusqu'à ce qu'il lâche quelque chose. Ce campement était l'un des derniers encore en place en Limousin, après le démantèlement de plusieurs cabanes juste avant les fêtes. Le préfet de Haute-Vienne voulait le démontage d'ici ce mercredi. Ces gilets jaunes creusois et haut-viennois ont choisi de l'effectuer eux-mêmes. Dans le froid glacial, ils continuent de filtrer la circulation. Les klaxons et les encouragements sont encore nombreux. On se sent soutenir. Bien sûr, il y a des personnes qui ne sont pas contentes, mais on est soutenus quand même. Les gens nous apportent aussi encore du café, des pâtisseries. Ça continue à nous soutenir à leur façon. Le mouvement continue et va perdurer autant qu'il faudra de toute façon. Le rond-point ne sera pas déserté par les gilets jaunes. Ces irréductibles pourront monter une tente chaque jour pour s'abriter et veulent reconstruire un campement à côté sur un terrain privé, déterminés à se faire entendre.